Moi, ça fait depuis pas mal de temps que je travaille autour de la religion et plutôt du lien entre le sang et la croyance. Alors, j'ai peut-être cette malchance de venir d'un pays qui a subi des guerres, une vraie guerre religieuse, hein, je viens d'ex-Yougoslavie. C'est une chose que j'ai pris vraiment de face en passant à travers tous les stades. La colère, la culpabilité, la prise de parti pour un camp qui n'était pas le bon. Là, je suis plutôt dans la culpabilité de cette colère que j'ai eue et de ce truc-là. Et en plus, moi, je viens d'une famille vraiment religieuse. C'est-à-dire que mon grand-père était pope et en même temps résistant à la guerre. Donc, c'est un mix qui est assez marrant. Il était paralysé à moitié parce qu'il s'est battu contre les Allemands et en même temps, c'était un religieux. Donc, ça, c'est un truc qui existe vraiment que dans les pays de l'Est. Où la religion est un peu plus. Fait plus partie de la vie, c'est-à-dire que bon, bah, les curés peuvent se marier et tout, il y a quelque chose de très sentimental à la religion. Et en même temps, ça nous a collé dans un trou noir monstrueux parce qu'on s'est entretués avec nos voisins, nos cousins, nos frères. Donc moi, je me suis toujours intéressé sur cette histoire entre le lien entre le sang et la religion. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des martyrs pour croire en Dieu? Donc tout mon travail qui part partout tourne autour de ça. Et en même temps, je pense pas avoir un regard si dur. Je fais des scènes très dures, mais je veux qu'il y ait beaucoup d'humour. C'est aussi peut-être ce côté un peu pays de l'Est où finalement on a tous dans nos familles une grand-mère qui traîne, un pope et puis je sais pas. Voilà, c'est très 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 pays de l'Est. Donc il y a ce côté, j'ai un regard un peu incisif sur la religion, mais en même temps ça fait partie de moi. Donc c'est un peu la question toujours entre. Et en même temps, dans mes peintures, c'est souvent le bourreau qui a le mauvais rôle. Non, pas qui a le mauvais rôle, que je magnifie. Ça, je filme toujours des crétins obscurs en train de tuer des gens ou des filles belles et bêtes, des Judiths qui découpent des gars. Mais voilà, je suis en même temps, j'essaie de mettre un peu de tendresse là-dedans. Mais les filles que je peins, je les fais désirables. Les gars, je les fais sympathiques mais meurtriers. Quelque part, ce qui est arrivé dans mon pays me fait comprendre que c'est quand même très humain. Parce que, ouais, ce qui est arrivé chez moi me fait comprendre que c'est quand même très humain, car ces gens qui se sont entretués, c'était des copains avant. Et ça, moi, j'ai des exemples partout autour de moi. Donc, il y a quelque chose qui a dérapé et c'est allé vers. Et il y a 15-20 ans, personne n'aurait pu le prévoir. Maintenant, on dit que ça aurait pu arriver, voilà, des ethnies. Je veux dire, quand il y a eu les Jeux Olympiques de Sarajevo, jamais personne n'aurait pu penser que 5-6 ans après, ça allait être une vie de martyr. Et donc, il y a cette histoire un peu de peindre des abrutis qui tuent, mais en même temps d'avoir cette tendresse très humaine. Parce que ces gens-là, c'est un peu moi, quoi, quelque part. Moi, j'ai eu cette colère, moi, j'ai eu ce genre de choses, et maintenant, j'ai cette culpabilité. Donc, ça, c'est vraiment les fondements de mon travail. D'avoir quelque chose, d'avoir un lien entre justement ce sang, la culpabilité et la possibilité de faire mal. Parce que ces gens-là, c'est moi. Le trouble qu'il y a entre chaque personne, entre le bien, enfin le combat entre le bien et le mal, qu'on peut retrouver chez chacun de nous. Exactement. Et surtout que je pense que chez moi, je veux dire, on a pu donner vraiment un terreau. Bon, on a eu un moment où les gens ont pu faire n'importe quoi, c'était une zone où on a tué, où on a envoyé des bombes sur des hôpitaux, où on a vraiment n'importe Il quoi. n'y avait pas de bons et de gentils, il y avait des gens Il y avait. gris, quoi. Ouais, voilà. Rien ne résiste au fait que tu as un cousin qui soit mort et qu'on te dise que c'est le voisin. Il n'y a rien qui résiste à ça, ou que ce soit ta femme, ou ton oncle. Ou voilà, ou que ce soit ta femme, ton oncle, Donc, finalement, moi je peins une vieille histoire qui ne fait que se répéter. Et là, je sais pas, 90% des guerres sont religieuses. Donc c'est un peu. C'est vraiment ce que je peins. Mais je suis pas non plus dans la lourdeur, dans quelque chose de très sombre. C'est sanglant, c'est sombre, mais c'est un côté un petit peu. Je veux beaucoup d'humour. Je veux que ce soit. Et en même temps, je veux que ce soit une peinture actuelle. C'est-à-dire, ça tranche, par exemple, ça c'est une Judith, ça tranche avec une scie sauteuse, ou un couteau, ou une pelle, ou c'est des filles d'aujourd'hui. C'est vraiment l'idée que l'histoire se répète et qu'on ne s'améliore pas.
Judith, j'en ai peint beaucoup en fait. En fait, j'en ai peint de temps en temps. Je faisais une Judith par-ci par-là. Avec mon idée de base, c'était Judith, c'est le symbole de la victoire sur la tyrannie. Et toujours dans cette. La peinture classique montre toujours, à part Caravage, une Judith innocente, un peu, voilà, qui passe comme à travers cet acte de façon très douce, très innocente. Alors que Judith, c'est vraiment la première femme fatale. Elle séduit, elle trompe le gars, elle lui tranche la tête. Pour une bonne cause, certes, mais c'est vraiment la première femme fatale. C'est une sorte de monument. Alors moi, j'avais vraiment envie de faire une expo entière autour d'elle. C'est-à-dire d'avoir, de peindre des filles de mon entourage, peut-être des filles que je trouve attirantes. Je sais pas, il y a ma femme, il y a plein de filles, plein de copines très proches. Et je voulais... Elles sont généralement jolie, d'après ce que j'ai pu voir. Ah bah, ouais, non, bah oui, bah Judith c'est une belle fille. Bon, après, moi, j'ai mon trait qui caricature un peu, mais à la base, je prends des filles très jolies, tu demandes de s'habiller en robe de soirée, et avec un scénario, tu accueilles quelqu'un chez toi le soir, tu le nourris et tu le coupes la tête. Assez sexy, généralement. Voilà, voilà, il faut que ce soit une parisienne. Ouais. Je voulais avoir une Judith parisienne. Et oui, je voulais avoir cette femme-là qui laisse aucune chance. Et limite, on y va à genoux. En me disant, allez ma petite, là, vas-y, coupe-moi la tête. Je voulais avoir vraiment cette tueuse là, sublime, quoi. Parce qu'elle a des caractéristiques qui sont ce que j'aime dans la féminité, quoi. Parce qu'on peut retrouver justement cette caractéristique de mante religieuse, de vampire chez la femme actuelle. Tu penses, ou c'est un peu exagéré, c'est un fantasme que tu développes? Ben non, c'est sûr qu'actuellement la femme actuelle c'est quelque chose de, je veux dire, c'est pas la parisienne d'aujourd'hui, c'est pas nos mères, c'est-à-dire que c'est une, je veux dire, voilà, moi j'ai divorcé, les trois quarts de copains ont divorcé, on s'est tous fait planter par des dadas qui nous ont laissés sur le bord de la route comme des merdes, et bon, ça fait partie du truc, mais c'est aussi ce qu'on aime, c'est il y a une vertu là-dedans. C'est sûr que cette femme forte qui nous terrasse, on a envie de la posséder quelque part. Et cette histoire avec Judith, c'est la même chose. Je pense que Holoferne n'a aucune chance, même si c'est le plus grand général de Nabucodonosor. Dans la Bible, dans le texte, il est foutu et quelque part, je pense qu'il le sait. Moi, c'est ce que je voulais montrer. Je voulais montrer une femme forte, sexy, qui laisse aucune chance. Alors. Oui, autour de nous, à Paris, on en a beaucoup de Judith. Bon, après, pas aussi la fin, quoique. Quand même. Il y en a quelques-unes. Mais bon, voilà, c'était vraiment l'idée de cette expo, qui était plus légère.